C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG. Au sommaire de ce journal, la visite à Kissidougou du ministre secrétaire général de la présidence. Le général Amara Camara est au contact de la population. Un accueil chaleureux lui a été réservé de ce côté où la population réitère son engagement à soutenir les actions du CNRD. Et c'est parti pour les travaux de construction de l'imprimerie du gouvernement, une initiative des autorités de la transition qui consiste à moderniser l'administration publique afin de sécuriser des documents administratifs et institutionnels. Aussi dans ce journal, il sera question de la campagne de prise en charge sanitaire gratuite des malades indigents dans la commune de Matoto. 41 malades sont entrés en possession de leur carte de prise en charge, une opération pilotée par le Fonds de développement social et de l'indigence. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, Kissidougou réaffirme son soutien au président de la République et à tous les efforts du gouvernement. C'était à l'occasion de la visite de prise de contact du général de division Amara Camara dans la ville. Par la même occasion, la population demande une visite du président de la République dans la ville pour lui réitérer sa position. C'est un compte-rendu signé Moussa Camara. Pour cette étape de Kissidougou, le général de division Amara Camara est accueilli avec tous les honneurs. L'émissaire du président de la République est venu écouter et comprendre les préoccupations des populations. Une population déjà séduite par des réformes courageuses et prometteuses amorcées sous le leadership de l'homme du 5 septembre, le général Mamadi Doumbouya. Soyez rassurés, monsieur le ministre, de l'engagement et du soutien indéfectible de la population de notre région. Aux idéaux du CNRD, nous sommes prêts à travailler main dans la main pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir meilleur bâti autour de la paix et de l'unité d'action, c'est ce que prônent les habitants de Kissidougou depuis quelques années. Mais pendant ce temps, la ville traverse quelques difficultés liées à son progrès social et économique. Devant l'émissaire du président de la République, les priorités sont exposées. Nous profitons de votre présente visite pour vous signifier que le rapport de cohabitation entre la population et les autorités préfectorales est en parfaite harmonie avec l'idéal du général d'armée Mamadi Doumbouya. Monsieur le ministre, nous vous soumettons la liste des besoins de Kissidougou, à savoir la construction de l'axe routier Cancan Kissidougou d'une distance de 197 km, l'acquisition de 20 km de bitume dans la commune urbaine de Kissidougou, l'extension du réseau électrique et d'addition d'eau. À Kissidougou, le soutien au programme ambitieux du président de la République et de son gouvernement ne souffre d'aucune ambiguïté. Visiblement satisfait de cette forte mobilisation et des différents messages, le général de division Amara Camara a, au nom du chef de l'État, remercié la population de sa sympathie et reconnaissance aux efforts de développement entrepris dans le pays. L'ensemble des messages ont été très bien entendus et c'est ce qui a permis, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, que ce soit à Conakry, jusqu'au dernier village de la Guinée, des dispositions sont en train d'être prises pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Mais il faut aussi avouer que le pays, il est grand, l'héritage, il est lourd. Ce qui est beaucoup plus lourd, c'est le passif dont nous avons hérité. Il n'était pas admissible que quelques besoins fondamentaux des populations ne puissent pas être mis à la disposition des populations. D'aucuns voudront dire que nous sommes en transition. Du haut de cette tribune, je voudrais affirmer, vous regarder dans les yeux, qu'il n'est pas question d'une transition en Guinée. En Guinée, nous sommes en refondation. Dans la refondation, on mettra les bases d'une administration solide. On mettra l'État dans ses droits pour que l'État soit fort. L'État a souvent failli parce qu'il n'était pas fort. Aussi, mettre les populations au centre des préoccupations des gouvernants. C'est l'un des objectifs de notre mission ici aujourd'hui. Nous avons entendu depuis que cette tournée aussi a commencé que nous sommes en campagne. Je veux dire ici à Kissidougou que nous ne sommes pas en campagne. Au contraire, partout où nous sommes passés, la délégation a fait objet de plébiscite. Ce sont les populations qui ont plébiscité le président Mamadi Doumbouya. Et ces messages, nous l'avons bien entendu. Merci à Kissidougou.
Ce que nous voulons ajouter comme message particulier que le chef de l'État nous a chargé de porter à toutes les populations, y compris Kissidougou, c'est le message de paix, le message de rassemblement, le message de cohésion, le message d'unité, toutes les prospérités, tout le bonheur que la Guinée est en train d'avoir, c'est dans la paix. Les projets qui sont amorcés, dont les bénéfices vont tomber très rapidement, pour que ça puisse profiter à la population, il faut que cette paix, cette unité et cette cohésion soient préservées. C'est l'invite que nous voulons faire aux populations de Kissidougou aujourd'hui. Tout en vous disant encore une fois, merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Nous avons entendu vos messages. Vos messages seront entendus et transmis. Nous avons entendu ici les jeunes dire que c'est le président Doumbouya qui peut faire l'affaire. Nous y croyons profondément et nous lui dirons de prendre ses responsabilités. La Guinée a encore besoin de lui. Avant de quitter Kissidougou, le général Amara Camara s'est rendu à la notabilité. Très heureux, les sages l'ont offert des cadeaux et exprimé toute leur admiration aux initiatives de développement imprimées par le gouvernement. On s'arrête à Télémélé où les populations réitèrent leur totale adhésion aux idéaux du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. À travers un rassemblement, elles ont exprimé toute leur reconnaissance aux actions de développement enclenchées par le CNRD dans la localité. C'est le directeur du Fonds spécial d'investissement qui a présidé la cérémonie. Abdoul Karifa Keïta, Aboubakar Junior Camara sont nos envoyés spéciaux à Télémélé. Depuis le 5 septembre 2021, la ville de Télémélé attire et retient à travers les actions de développement. La population reconnaissante de cette municipalité se mobilise ce jeudi pour remercier le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Il faut le reconnaître, l'arrivée du CNRD avec à sa tête son excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, il y a eu un changement d'énorme. Avant, la préfecture était complètement enclavée et abandonnée, s'il faut oublier même. Aujourd'hui, vous voyez même les camions citernes de 40 000 litres viennent à Télémélé. Les camions de 40 tonnes, 45 tonnes viennent à Télémélé. Tout ça, c'est grâce aux efforts fournis par le gouvernement guinéen. Infrastructures routières, sanitaires et éducatives, rien n'est resté en marge des priorités du gouvernement. Cette joie des enseignantes, par exemple, témoigne leur adhésion aux idéaux de développement prônés par le chef suprême des armées. Voici le message que vous allez transmettre au cher président. Nous le soutenons. Vraiment, nous sommes très ravis. Nous sommes très comblés de joie. Le message qu'on a passé, c'est de demander à tous les Guinéens de soutenir le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et puis d'adhérer à la nouvelle constitution aussi. Les ressortissants de la ville de Télémélé accompagnent les populations à travers les projets de développement. Les forages sont obtenus dans un partenariat avec des ONG afin de donner de l'eau potable à la population de Télémélé. Toutes les réformes qu'il a inspirées, qu'il a mises en place, que nous avons d'une manière opérationnelle réalisées, c'est grâce à lui. Pour lui dire merci pour la confiance réitérée. Auparavant, nous étions beaucoup divisés. Aujourd'hui, vous pouvez voir l'union entre les ethnies. La Guinée est beaucoup plus unie. Expliquez à nos parents le fait que les deux grands barrages hydroélectriques sont à Télémélé. Expliquez aussi que plusieurs sociétés minières sont à Télémélé. Les taxes, les investissements que ces sociétés font. Et expliquez que le président de la République ne les oublie pas. C'est pour cela que nous sommes venus pour donner la bonne nouvelle à Télémélé que la municipalité sera dotée de forages. Parallèlement à ce meeting de soutien et de remerciement du président de la République, le tournoi de la paix et d'unité nationale, doté du trophée général Mamadi Doumbouya, se poursuit au stade préfectoral de Télémélé. Toutes les sous-préfectures et quartiers de la commune urbaine prennent part à cette compétition dont la finale est prévue pour le 1er décembre prochain. Direction la région de Cancan où la population s'est fortement mobilisée pour exprimer sa satisfaction à la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Le président du CNT a mis l'occasion à profit pour expliquer les bien fondés de cette initiative. Dr Dansa Kourouma a aussi annoncé des innovations dans ce document. Mohamed Lamine Camara.
L'image des précédentes étapes de la tournée de cette mission du CNT en Haute-Guinée à Cancan, c'est une foule enthousiaste venue en grand nombre pour saluer l'arrivée de la délégation du Conseil national de la transition. Le cortège est parti de la ville Assili à traverser le carrefour de la Banque centrale pour se rendre à la maison des jeunes de Cancan où un impressionnant dispositif d'accueil est organisé par les autorités, la jeunesse et les groupements de femmes de la cité de Nabaya. Pour les autorités de Cancan, porte-parole de cette vaillante population, cette visite de la délégation du CNT révèle d'une importance particulière. Cette mobilisation témoigne de leur soutien aux idées de refondation et de rectification institutionnelle portées par les autorités de la transition. Je voudrais dire à l'honorable président du Conseil national de la transition que lui et ses honorables conseillers qu'il rentre dans l'histoire de la Guinée par la grande porte en dotant du pays pour la première fois d'une constitution qui est de nôtre. En ce qui concerne les braves populations de Cancan, je peux vous assurer, et ce de manière précise, de notre adhésion totale pour le soutien de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui a pris en compte toutes les opinions, les avis, les espoirs du peuple à travers sa stratégie d'élaboration participative, inclusive et démocratique pour le bien des générations et des générations. La délégation de la préfecture de Cancan soutient les idéaux du CNRD basés sur la refondation à tous les niveaux avec la clairvoyance de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son excellence, général d'armée, je vais nommer Mamadi Doumbouya. La population de Nabaya reste et demeure à l'écoute de vos sages conseils et des informations pour la mise en bonne et due forme du projet de notre constitution. Dans son discours en langue du terroir, le président du Conseil national de la transition a mis l'occasion à profit pour mettre en lumière certaines innovations majeures de cet avant-projet de nouvelle constitution. Il a notamment souligné des dispositions telles que la gratuité de l'éducation et l'obligation scolaire des enfants guinéens jusqu'à l'âge de 16 ans. Bienvenue. Bienvenue. La constitution nafonienne, Constitution. Mais avant, la délégation s'était rendue chez les sages, les responsables religieux de cette ville. Partout, ces respectueuses notabilités ont reçu des copies de cet avant-projet de nouvelle constitution. Une manière de les inviter à s'impliquer activement dans ce processus historique. Après la prière de ce vendredi saint, une visite guidée a conduit la délégation du CNT dans la grande mosquée des Cancan en cours de rénovation. Dans la soirée, la mission a aussi visité les sous-préfectures de Carrefour Moria et de Batenafagi. Tout comme les localités visitées, l'adhésion totale des populations au contenu de ce document de l'avant-projet de nouvelle constitution est irréversible. Dans l'actualité également, la Guinée et la Sierra Leone se rapprochent davantage. Les deux voisins seront bientôt interconnectés par la fibre optique. Le protocole d'accord a été signé à Freetown par les ministres des télécommunications des deux pays. Le partenariat va améliorer les services du numérique dans les deux pays. Mamadou Saliouba pour les détails. À Freetown, la ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique est venue matérialiser avec son homologue de la Sierra Leone la volonté de deux États
à mutualiser leurs infrastructures numériques. Cette série de signatures ouvre la voie à l'interconnexion de deux voisins par la fibre optique. Nous savons que le numérique va apporter énormément d'avantages sur la vie de nos concitoyens, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine des infrastructures, de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie. Et nos pays s'unissent aujourd'hui pour dire comment nous allons mettre en place des projets innovants pour avancer sur le domaine du numérique. La Guinée et la Sierra Leone, toutes deux engagées dans une profonde transformation numérique, vont désormais, au compte de cet accord, partager les expériences pour faire du numérique un véritable catalyseur de développement économique et social. Les Guinéens et les Sierra Leonais vont tirer beaucoup de profit de cet accord. Ils auront plus d'accès à l'Internet, à la téléphonie, et cela va améliorer considérablement leurs conditions de vie. La Guinée et la Sierra Leone, imaginez-vous, de Freetown à Gekedou, en passant par Kindia, Farana, Mamou, on se retrouve avec plus de 515 km de frontières. Et nous avons aussi beaucoup de choses en commun, notamment les communautés, les langues, le mode de vie. Pratiquement, c'est la même chose. Après la signature de cet accord, les travaux vont se poursuivre pour l'interconnexion de deux pays, tout en réduisant la fracture numérique pour le bien des peuples sierra-léonais et guinéens. C'est parti pour la journée économique et commerciale allemande en Guinée. C'est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Guinée en partenariat avec la coopération allemande. Cette rencontre de Conakry marque le début de la concrétisation d'une diplomatie économique germano-guinéenne. L'idée est de tisser des relations dynamiques et durables entre opérateurs économiques allemands et guinéens dans divers secteurs, porteur de croissance. Fallait le dialogue, Ousmane Ouattissé. Cette journée marque une étape cruciale dans la coopération économique et commerciale germano-guinéenne. Elle fait suite au protocole d'accord signé entre opérateurs économiques guinéens et allemands. L'idée est de tisser des liens solides et des partenariats durables et dynamiques. En effet, c'est sous son leadership que notre pays a connu le programme d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale PRODEIC, dont le fruit a amené les secteurs privés allemands et guinéens à raviver les relations entre nos deux pays. La Guinée engagée dans un processus de refondation est résolument tournée vers l'avenir. Notre ambition portée sur la vision Simandou 2040 vise à transformer notre potentiel en une économie inclusive, durable et compétitive. L'ouverture totale du climat des affaires en Guinée augure de belles perspectives pour transformer les potentialités guinéennes en une économie durable et constructive. Un processus qui passe par un secteur privé en pleine croissance. La politique et la diplomatie sont complémentaires sur le plan de culture. Il s'agit souvent du même principe, comme nous, les diplomates, devons, bon gré mal gré, transformer le coup des grosses caisses en des hommes politiques, en un arpège d'harpe. La République fédérale d'Allemagne est reconnue à l'échelle internationale pour la qualité de son travail, son sérieux et son efficacité pour le développement du secteur privé. L'économie allemande est la troisième dans le monde grâce à l'esprit d'entrepreneuriat, l'initiative, la créativité et la précision qui permet de travailler ensemble avec des différents métiers aussi dans les différents pays. Au cours de cette journée économique et commerciale allemande en Guinée, des présentations liées à l'environnement, des affaires, le code d'investissement et la loi portant sur le contenu local ont été faites. Les rencontres B2B entre les représentants des entreprises allemandes et guinéennes sont aussi au menu de la journée. La Confédération générale des entreprises de Guinée, c'est plus de 5000 entreprises avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 900 millions de dollars.
Je vous l'annonçais dans les titres, modernisation de l'administration publique sur le terrain. Cette politique se poursuit avec la réalisation d'infrastructures. C'est pourquoi le secrétariat général du gouvernement vient de lancer les travaux de construction de l'imprimerie du gouvernement. C'est le plateau directionnel de Koloma qui abrite l'édifice. Morlaï Souma, Aboubacar Yabi pour plus de détails. Le plateau directionnel de Koloma continue d'abriter les infrastructures modernes de l'administration publique guinéenne. Cette cérémonie de lancement des travaux de construction de l'imprimerie du gouvernement est un cas illustratif. C'est un projet porté par le secrétariat général du gouvernement. Pour ses membres du gouvernement fortement mobilisés, cette imprimerie va faciliter la production des documents officiels et autres manuels administratifs et scolaires en Guinée. Nous ne réinventons pas la roue là, l'imprimerie existait. Donc nous ne faisons que remettre à pied ce que la Guinée savait faire à l'époque. Nous étions pionniers dans l'impression des documents administratifs, scolaires, l'impression des manuels. Et c'est ce que nous voulons refaire. Nous voulons faire renaître toutes les industries qui ont permis à notre pays d'être effectivement indépendant. Et il s'agit de ça. Maintenant, la gestion des documents sécurisés est un autre pan de nos prérogatives. Nous travaillons à sécuriser. Ce projet ambitieux réalisé dans le cadre d'un partenariat public et privé reflète la volonté du chef de l'État d'associer toutes les composantes à la gestion efficiente des projets de développement socio-économique du pays. Pour moi, c'est une aubaine. Mais le plus important, c'est la possibilité de produire nos manuels scolaires sur place. Ce qui ramènera le prix peut-être à 2 ou 3 fois moins cher et ça donnera à l'État la capacité de fournir à chaque enfant qui est à l'école d'avoir un manuel. Ce qui, à l'heure actuelle, nous pose un énorme problème du point de vue de la qualité, de la qualification de notre enseignement. Nous rassurons le maître d'ouvrage de notre engagement pour vraiment la qualité du suivi des travaux et on va veiller à ce que l'entreprise respecte le cahier des charges qui a été produit conformément au projet qui est approuvé non seulement par le ministère et la CCP. La construction de cette nouvelle imprimerie va durer 1 an. Une fois terminé, l'édifice va permettre de réduire les coûts de production des documents administratifs tout en créant des emplois pour accompagner la transformation numérique de l'administration. Le gouvernement guinéen apporte sa solidarité et transmet toute sa compassion à la famille d'Aïchaba, âgée de 8 ans. Cette petite fille a été retrouvée morte dans les toilettes de son école suite à un viol. L'acte s'est passé à Dundu-Lirouré, dans la préfecture de Dubrika. 3 ministres se sont donc rendus dans la famille mortuaire. L'assurance a été donnée que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Mohamed Kamara, Alkali Kobele Keita. C'est une fille de 8 ans, élève en 4e année d'une école franco-arabe à Dundu-Lirouré, secteur Chinoya, dans Dubrika, qui a été retrouvée morte dans les toilettes de l'école. La nommée Aïchaba a été d'abord violée. Ses bourreaux, non encore identifiés, courent encore dans la nature. Pour compatir aux douleurs de la famille éplorée, le président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya, a mandaté quelques membres du gouvernement et d'autres responsables du pays pour apporter la compassion et la solidarité des autorités du pays aux populations de Dubrika en général et la famille Ba en particulier. J'exprime déjà en tant que parent et en tant qu'éducateur. Toute perte est douloureuse et immense, et notamment la perte d'une jeune fille qui était, comme l'a dit monsieur le ministre de la Justice, sur la route, sur le lieu de l'apprentissage. Cela rend pour moi cette situation encore plus douloureuse. Mais elle est encore plus douloureuse pour le chef de l'État qui a une attention particulière pour notre système éducatif et notamment pour les jeunes filles. Il est donc important que nous tous, par cet acte odieux qui s'est passé, nous prenons conscience que nous devons aider l'école et que nous devons aider les enseignants et que nous devons aider la communauté à sécuriser les lieux d'apprentissage et les lieux de culte. Je suis très content de ce déplacement des membres du gouvernement et toutes les populations de la Guinée. Je suis rassuré quant à l'engagement des autorités du pays à traquer les coupables de ce crime odieux. Pour les autorités judiciaires du pays, cet autre crime ne restera pas impuni. Ce drame n'a pas laissé le gouvernement indifférent. La première personne qui l'a ressenti dans sa chair et dans son âme,
C'est d'abord Monsieur le Président de la République. Cette délégation a été dépêchée pour venir d'abord essuyer les larmes de la famille, pour leur donner l'assurance que ces faits crapuleux ne resteront pas impunis. Les autorités sur le terrain appellent à une vigilance accrue de la communauté et des autorités pour réduire le phénomène dans le pays. Justement, sur la question, la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a, dans une déclaration, fustigé cette pratique qui prend de l'ampleur dans le pays. Je vous invite à suivre Charlotte Daffy. Le gouvernement guinéen a appris avec consternation un double crime de viol et de meurtre sur une mineure. La victime, Aïcha Ba, était âgée de 8 ans et faisait la quatrième année. Les premiers éléments d'information indiquent que le corps sans vie de la fillette a été retrouvé dans les toilettes d'une école franco-arabe au quartier d'Ondolohouré dans la commune de Kagbéné, préfecture de Dubreka. Le gouvernement condamne avec la plus grande rigueur ce crime crapuleux, en ce sens que comme motif, quel qu'il soit, ne saurait le justifier. Face à ces drames inhumains, qui commence à être récurrent et à l'orée de la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la prise des trois mesures ci-dessous. 1. La saisine du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dubreka et l'ouverture d'une enquête pour arrêter et traduire devant la juridiction compétente les responsables de cette infraction criminelle. 2. Le durcissement de la politique pénale afin qu'aucune circonstance atténuante ne soit acceptée par les tribunaux en faveur des présumés auteurs et complices de viol. 3. L'intensification d'actions de sensibilisation en vue d'une plus grande diffusion des dispositions légales et réglementaires sur les viols. En attendant, une forte délégation gouvernementale s'est mobilisée pour présenter les condoléances et apporter la solidarité du gouvernement à la famille éplorée. Cette action a été appréciée par la famille, les proches et les autorités locales. Le gouvernement invite la population à prêter main forte aux services de sécurité et de justice. Il réitère sa détermination à mettre hors d'état de nuire tous les responsables d'actes odieux, y compris et en premier lieu ceux coupables de violences sur le genre. Ce soir, on s'intéresse au principe de reddition des comptes en Guinée. La Cour des comptes tient au respect de la loi par les dirigeants des entreprises publiques sur une trentaine de sociétés publiques en 2023. Une a pu présenter un document comptable. La situation est jugée préoccupante. N'est-ce pas, Salimato Kanté, Ibrahima Ibeka Kamara? C'est une rencontre d'interpellation et d'invite à une franche collaboration que la Cour des comptes de Guinée initie en direction des dirigeants des entreprises publiques. Le pays dispose de 34 sociétés publiques et sociétés mixtes opérationnelles qui doivent chaque année fournir à l'institution leurs documents comptables et autres. Votre présence a l'importance que vous accordez à cette activité qui a été inscrite au programme de la Chambre pour cette année 2024. En effet, en tant que responsable d'entreprise publique, il est important pour vous de collaborer pleinement avec la Cour des comptes pour garantir une gestion saine et responsable des ressources importantes dont vous avez la gestion. À cette première occasion de rencontre entre vous et notre institution, je voudrais vous inviter et vous encourager à voir en celle-ci, non comme un simple organe de contrôle, mais comme un allié sûr dans votre quête quotidienne de paix. Pour faciliter ce travail, la Cour des comptes veut aider ces sociétés publiques à améliorer leur cadre juridique et institutionnel. Ce que nous avons compris de cette activité, c'est d'abord ressortir les relations que les sociétés publiques et mixtes doivent avoir avec la Cour des comptes
sur l'obligation des réductions de comptes et deuxièmement, les sanctions que les sociétés encourent en cas de non-respect de l'obligation de cette réduction des comptes. C'est une démarche lutère qu'a prise la Cour des comptes en rassemblant ici tous les administrateurs et dirigeants d'entreprises publiques et mixtes, non seulement pour nous sensibiliser par rapport à la gestion vertueuse de ces entreprises, mais également nous informer des infractions et sanctions qui pourraient tomber en cas de défaillance. C'est en 2016 que les activités de la Cour des comptes ont démarré avec pour mission de garantir l'intégrité, l'efficience et l'efficacité dans la gestion des ressources publiques. Elle veille à ce que chaque franc dépensé par l'État soit utilisé dans l'intérêt des populations guinéennes. Au ministère de la fonction publique, on s'achemine vers l'évaluation des services et agents publics. Le travail sera mené périodiquement par l'inspection générale de l'administration publique à travers ses différents corps de contrôle et les gestionnaires des ressources humaines. Cette semaine, les outils d'évaluation ont été présentés à l'ensemble des acteurs concernés. Reportage de Mamadi Tierna Kamisoko. C'est une décision forte prise par le ministère du Travail et de la Fonction publique, celle de recruter les agents par poste au sein de l'administration publique. L'un des avantages à tirer de cette nouvelle orientation est la possibilité offerte au département de mieux s'assurer de la performance des services. Ainsi, des outils d'évaluation sont mis à la disposition de l'ensemble des DRH et des inspecteurs de l'administration publique. L'évaluation de performance est une procédure formelle et productive visant à mesurer le travail et les résultats d'un employé sur la base de ses responsabilités professionnelles. L'ensemble du processus d'évaluation des performances vise à améliorer le fonctionnement d'une équipe ou d'une organisation afin d'atteindre des niveaux plus élevés de satisfaction de ses usagers. L'évaluation des agents de l'État viendra renforcer cet outil-là. Et ça contribuera également au renforcement de la performance. L'objectif est de permettre à l'IGAP, Inspection Générale de l'Administration Publique, de pleinement jouer son rôle de police des structures de l'État. La meilleure manière de savoir si on est au service de nos concitoyens, si nos politiques publiques répondent aux besoins de nos concitoyens, il fallait procéder à l'évaluation. Et pour évaluer, il faut avoir les outils objectifs, les outils adaptés à nos contextes, d'évaluation de la performance des structures et des agents publics. Nous partons vers une administration orientée vers les résultats, donc c'était un passage pour nous important. L'évaluation des services et des agents publics sera donc périodique dans l'administration publique guinéenne. Il s'agit d'un instrument efficace pour être en adéquation avec les attentes de la population. Alors, à Mamou, pour parler de la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière, la Direction générale des douanes en fait son bataille grâce à Expertise France et l'Union européenne. Certaines brigades de douane du pays et des services pilotes du même corps ont été récemment outillées. Objectif, les amener à mobiliser plus de ressources pour les caisses de l'État à travers le renforcement de la surveillance transfrontalière. RTG Mamou, Mamadou Patibaldé. Les douaniers du pays au rendez-vous pour la mobilisation des recettes de l'État. Grâce à l'Expertise France financée par l'Union européenne, ces soldats de l'économie nationale réunis à Bamou ont désormais toutes les compétences nécessaires pour lutter contre la fraude, améliorer la gestion fiscale et participer à la mobilisation et la sécurisation des recettes de l'État. On a essayé de former des gens pour qu'ils puissent mieux appréhender ces trafics en leur donnant la géopolitique des routes, les pays de provenance, les pays de destination, de consommation, pour qu'ils puissent vraiment se positionner par rapport à tous ces fléaux qui viennent toucher de plus en plus la Guinée. Nous attendons beaucoup à nos agents un résultat fiable, un autre résultat qui va nous permettre de mobiliser encore beaucoup plus de recettes et de lutter contre la fraude et contre la contrebande. L'objectif était de réviser, actualiser l'instruction cadre sur les renseignements, revoir le maillage et la cartographie douanière, renforcer les capacités des brigades et des services pilotes. C'est de pouvoir renforcer
la vigilance pour pouvoir empêcher l'importation ou l'exportation des marchandises interdites. Je vous invite avec considération de tout mettre en œuvre pour sauver le pays. L'ambition de la Direction générale de la douane est de soutenir les réformes entreprises par le gouvernement afin de moderniser le secteur en vue de renflouer les caisses de l'État. Et puis à Cancan, les femmes du mouvement panafricain, nous sommes la solution, célébrée en différé la journée internationale de la femme rurale et la journée mondiale de l'alimentation. Elles en ont profité pour attirer l'attention des autorités et de la communauté internationale sur le rôle et la place des femmes dans le processus de développement. RTG Cancan, Fode Bangali Fofana. Elles sont venues de Sibiri, Kerouané, Kourissa, Mangana, Dabola et Tsibiri, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Sous la conduite de leur leader, ces femmes du mouvement Femmes Rurales Africaines pour la Souveraineté Alimentaire sont ici pour la célébration en différé de la Journée Mondiale de l'Alimentation, mais aussi de la Journée Internationale de la Femme Rurale. Ce sont les mêmes luttes que nous menons. C'est encore ici les femmes rurales. On parle encore ici d'agriculture. On parle encore ici d'autonomisation de la femme rurale et c'est un véritable sentiment de joie de voir aussi qu'il y a des autorités qui accompagnent ces femmes. Il y a des associations dans votre pays qui accompagnent ces femmes-là. Donc c'est vraiment un sentiment de joie pour nous. Ce mouvement panafricain des femmes rurales, nous sommes la solution, s'est approprié des deux journées qui sont pour elles des moments forts de rappel de l'engagement de la femme rurale dans tout processus de développement communautaire pour une autonomisation de la femme rurale. Il tend à devenir un moyen de contrôle de la souveraineté des peuples et des États. C'est pourquoi, en tant que femme, mère nourricière, nous sensibilisons, éduquons, conscientisons nos populations, nos décideurs et plaidons pour la prise en compte dans nos politiques nationales de développement agricole d'une agriculture écologique qui respecte toute vie sur terre et qui sacralise la nature. Vous les femmes et les hommes avez le devoir de beaucoup produire et de diversifier les régimes alimentaires en vue d'assurer une alimentation saine et transformer notre environnement. À l'occasion de cette journée, nous demandons aux hommes, aux femmes, oui, de retourner en campagne conformément aux instructions de notre grand leader, le chef de l'État, qui a compris que le primaire constitue non seulement le fondement, mais aussi le lieu de réjouissance. Pour ces femmes rurales réunies au sein du mouvement panafricain, nous sommes la solution. Les Africains se doivent de nourrir l'Afrique à travers un système de production paysan respectueux de l'environnement et soucieux de la santé des populations africaines. Le gouvernement poursuit ses réformes dans le secteur de la pêche. L'accent est mis sur la réorganisation du ministère de la Pêche, notamment la création du Centre national de surveillance et de police des pêches, une structure chargée de veiller sur les eaux et de lutter contre la pêche illicite. C'est pour relever justement ce défi que le directeur général du CNSP vient de lancer une session de renforcement de capacité des cadres et agents de la police des pêches. Algasimouba. Le Centre national de surveillance et de police des pêches, CNSP, est une structure très importante au sein du ministère de la Pêche. Ce centre stratégique veille sur les eaux guinéennes en luttant contre la pêche illicite. Pour plus d'efficacité, cadres et agents du CNSP échangent sur la connaissance des enjeux du système de gestion des ressources halieutiques. Vous allez beau disposer des ressources financières, des ressources matérielles, si les hommes ne sont pas qualifiés, vous n'irez nulle part. Nous avons appris beaucoup de notions qui nous permettront de servir la nation et de représenter valablement la nation ailleurs. Cet espace de redynamisation est une façon d'orienter ces acteurs vers le respect des exigences du département, celle de la promotion des droits sur la surveillance en mer. Désormais, nous sommes outillés et nous serons vraiment en mesure de faire face à tous les différents rapports que nous allons émettre pour pouvoir qualifier les infractions que nous posons en mer. Je voudrais aussi renouveler ma reconnaissance
à Madame la ministre qui apporte un précis appui au CNSP dans les activités de surveillance. Je garde grand espoir que toutes les recommandations issues de cet atelier seront prises en compte et appliquées. Ce renforcement de capacité des agents de la police des pêches durant 2 jours est une occasion pour le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime de contribuer à la promotion des conditions de travail tout en s'impliquant activement dans la sauvegarde des produits halieutiques en mer. Autre titre de ce journal, le Fonds de développement social et de l'indigence poursuit sa campagne de prise en charge sanitaire gratuite dans la commune de Matoto. 41 malades indigents bénéficient de ce service humanitaire de l'État, un service rendu possible grâce à la vision éclairée du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le point avec son assaillant. Après une sélection, 41 malades indigents de la commune de Matoto bénéficient de titres de prise en charge sanitaire gratuite. Cet événement reflète la vision ambitieuse de son Excellence, le Président de la République, Général d'Armée Mamadi Doumbouya. Ensemble, il place la justice sociale et le bien-être des citoyens au cœur des priorités nationales. Par son leadership inspirant, le président continue de poser les bases d'une Guinée plus équitable, où chaque citoyen, quelle que soit sa situation, peut accéder aux services essentiels comme la santé. Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements au nom des populations de Matoto pour votre dévouement pour la cause des personnes indigentes à travers tout le territoire national. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité ainsi que celle des autorités à tous les niveaux à accompagner la direction du FDSI dans la mise en œuvre de toutes les actions et initiatives visant à lutter contre la pauvreté extrême dans notre commune. En remettant ces titres aux malades vulnérables, le Fonds de développement social et de l'indigence réaffirme la volonté du président à garantir la dignité et à répondre aux besoins des plus démunis. C'est un sentiment de satisfaction pour la vision de son Excellence Mamadi Doumbouya. Ce qu'il a mis comme soubassement pour la santé pour tous, franchement, c'est un ravi et on ne fait que le remercier. Le programme de prise en charge sanitaire gratuite pour les plus vulnérables, initié par le président de la République, vise à rétablir la justice sociale dans une Guinée prospère. À Zérékoré, il existe désormais un laboratoire vétérinaire pour prévenir et lutter contre les maladies animales et améliorer la santé publique. Ce labo vient répondre aux besoins cruciaux des éleveurs de la région dans le cadre de l'amélioration de la santé des animaux et augmenter leur productivité. C'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage qui a procédé à l'inauguration en présence de plusieurs cadres et des partenaires techniques et financiers. Lancé Kamisoko. C'est une étape importante franchie dans le développement du secteur de l'élevage dans la région de Zérékoré. Grâce à la mise en service de ce laboratoire vétérinaire ultramoderne, la région pourrait désormais diagnostiquer rapidement toutes les maladies animales et mettre en place des mesures de contrôle efficaces pour prévenir les épidémies. Nous avons l'insigne honneur de vous adresser nos sincères remerciements à sa juste valeur et celui d'offrir à notre filière ce beau bijou flambant neuf, le laboratoire moderne livré et équipé à Zérékoré. Garantir la politique d'une seule santé en assurant la couverture sanitaire animale et humaine est l'ambition de l'État et de ses partenaires de la FAO et de l'USAID. Le laboratoire que nous allons inaugurer aujourd'hui permettra aux services vétérinaires du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de disposer d'un outil performant au niveau de la région de Zérékoré,
pour une détection précoce et rapide en vue d'une riposte efficace contre les maladies animales, y compris les zoonoses. L'USAID, en tant que partenaire financier de projet de soutien à la sécurité sanitaire mondiale, est heureuse de constater que son financement est orienté vers des actions pertinentes qui vont contribuer de façon significative au renforcement des capacités des services vétérinaires du pays. L'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique engagé en 2015 entre la FAO et l'USAID pour la lutte contre les menaces des pandémies émergentes du programme de sécurité sanitaire mondiale GHS. De la rénovation à l'équipement en passant par la formation du personnel, le laboratoire vétérinaire régional a coûté plus d'un milliard 600 millions de francs guinéens. On reste à l'intérieur du pays où Dabola, Gawa, les Touguets sont trois préfectures touchées par des rencontres de sensibilisation doublées et d'information sur le projet d'urgence et d'appui au programme NAFA. Acteurs et partenaires sont tous mobilisés. La rencontre entrevoit une inclusion plus large et efficace. Séance tenante, les assistants communautaires de l'ANIES sont dotés de motos pour leur mobilité. Abdelkarim Kamara. Le projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA suit son cours normal. Chaque étape obéit à une démarche holistique dans l'approche communautaire voulue par l'ANIES. Dans les préfectures de Gawal, Dabola et Touguet, les acteurs partagent des stratégies et bonnes pratiques développées par le programme NAFA. Au sorti de ce présent atelier, que chacun connaisse le rôle qu'il joue, on va mettre tous les moyens à votre disposition, les outils nécessaires vous permettant d'accomplir la mission qui vous a assignée. La rencontre mobilise les assistants communautaires, les comités de gestion des plaintes, les ministères de l'Environnement, de la promotion féminine, de l'administration du territoire, la Direction nationale des investissements publics et la Banque mondiale. La Direction nationale des investissements publics a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de programmation et de gestion des investissements publics, mais aussi faire le suivi et l'évaluation des projets et programmes d'investissement sur le plan physique et financier. Il est important que nous soyons là pour vous écouter, pour nous assurer d'abord que vous comprenez parfaitement le projet. Chers AC, membres des comités de gestion, il ne suffit pas seulement de recevoir l'argent, de transférer l'argent, mais le changement qui est attendu doit être insufflé par vous. Vous avez affaire à une population vulnérable. Gawal se réjouit déjà des résultats sur le terrain. Donc notre accompagnement, j'ose vous rassurer que nous nous acquitterons honorablement de nos différentes responsabilités en donnant une réelle satisfaction à ce programme. Les assistants communautaires des trois préfectures sont aussi dotés de motos pour leur mobilité. Cette rencontre d'information et de sensibilisation arrive à un moment où l'ANIES prépare le processus de transition entre les transferts monétaires d'urgence et les transferts monétaires réguliers. Ensemble pour la paix et le développement durable en Guinée, c'est le thème d'une session de formation en cours à Nongo, une idée du Service mondial de la paix qui renforce les capacités opérationnelles de plus de 800 jeunes entrepreneurs. On les apprend à monter des projets afin de promouvoir l'autonomisation des jeunes en Guinée. On en sait davantage avec Gené Yansané et Mikine Moussa Kamara. Cette initiative vise à doter les jeunes d'outils essentiels en matière de promotion de la paix, de citoyenneté responsable, de développement personnel et d'entrepreneuriat durable, afin de contribuer activement à la stabilité et à un développement durable des communautés. Ils ont été formés sur l'entrepreneuriat social. Social parce que ce serait seulement la plupart des projets, ce sont des projets qui vont ajouter une valeur à la communauté. Vous savez, le numérique aujourd'hui, sans ça, personne ne peut rien faire, quelles que soient tes idées. On a le développement personnel, ça veut dire comment s'affirmer soi-même, mais dans le respect aussi de l'affirmation des autres. Cet événement marque une étape clé dans l'engagement collectif pour la construction d'une Guinée pacifique et résiliente. Il y a le Fonds national d'insertion des jeunes, qui est au ministère de la Jeunesse et des Sports, en abrégé FONIJ, que vous pouvez approcher
éventuellement pour discuter avec eux sur les modalités de financement pour que, si possible, vous puissiez trouver un complément de financement. Au niveau du gouvernement, il y a quelques dispositifs pour aller vers les structures spécialisées dans le cadre de la recherche, soit des informations complémentaires ou des financements complémentaires. Avec l'appui technique et financier du Service mondial pour la paix durable, cette session de formation est une phase pilote du programme de renforcement des capacités des jeunes. Elle est axée sur plusieurs modules. Lutte contre les violences basées sur le genre, le combat s'intensifie. Un autre projet vient de voir le jour pour donner plus de force à la lutte. Il s'agit du projet Libre, exécuté par un consortium d'ONG, dont le Club des jeunes filles leaders de Guinée. Le programme a débuté par une causerie. Explication de Yaya Sila. Sous le regard de la maîtresse du centre de couture Wontanara, ici à la Cité de Solidarité, les filles apprennent la couture. Aujourd'hui, quelques rares occasions s'offrent à elle pour parler des violences basées sur le genre, l'impunité des auteurs de ces violences et comment les éviter. En plus de l'impunité, c'est aussi de sensibiliser les communautés sur tout ce qui est accès à la justice, à la dénonciation et aussi veiller à ce que la communauté soit informée sur les formes de violences existantes. Le projet Libre est financé par l'Union européenne et exécuté par le consortium Avocats sans frontières, le Club des jeunes filles leaders de Guinée et le Centre guinéen pour la promotion et la protection des droits humains. Dans cet atelier de couture, les filles qui constituent les communautés à la base ont bien compris les conseils prodigués par leurs camarades filles. Quand on nous voit dans la rue, il va nous dire « je t'aime », mais c'est du mensonge. Ils veulent nous enceinter et après ils nous laissent comme ça. Quand tu entends de travailler, ton travail va là, ça va cacher. Depuis une dizaine d'années, le Club des jeunes filles leaders de Guinée a un seul et unique objectif, changer la mentalité dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, le mariage précoce et l'abandon scolaire des filles. Un mot de culture pour terminer. Du 6 au 8 décembre prochain, les bijoutiers guinéens vont être célébrés à travers un événement qui leur est dédié. Ça s'appelle Salon de la bijouterie guinéenne. Premier du genre, les organisateurs étaient face à la presse pour expliquer les enjeux de cet événement. C'était en présence de notre reporter Thierno Maroufba. Valoriser la bijouterie dans toute sa diversité et promouvoir l'activité des artisans, telle est la vision du Salon de la bijouterie guinéenne. Cet événement, qui en sa première édition, se tiendra du 6 au 8 décembre. L'idée est de vendre le savoir-faire des Guinéens tout en mettant un accent sur les échanges et réflexions sur la problématique du développement du secteur en Guinée. Un réseau qui permet à nos bijoutiers, nos talentueux bijoutiers, de voir le jour, qui travaillent dans l'ombre, mais qui ne sont pas du tout vus. Ce salon, cet événement est fait pour eux de moderniser, professionnaliser le secteur qui est tant marginalisé en Guinée. Aux côtés des promoteurs du salon de la bijouterie, les acteurs du secteur et les artistes de renommée nationale comptent accompagner l'événement. L'artiste Ansti Crazy, grand promoteur du contenu local, est l'ambassadeur de ce salon. Moi, tout ce qui est guinéen, et quand c'est pas guinéen, je suis pas dedans. Et quand tu me mets dedans, c'est parce que ça n'existe pas en Guinée. Et quand c'est en Guinée, je ne vais jamais laisser ces pour aller ailleurs. Et tous les autres secteurs ici ont un événement annuel. Pourquoi pas les bijoutiers? Nous avons pensé à eux, mettre de la lumière sur eux, mais surtout le mot professionnaliser le secteur, même après l'événement, que l'activité continue. Cette rencontre de 72 heures sur la bijouterie guinéenne va connaître la participation des bijoutiers de Conakry et de l'intérieur du pays avec un seul objectif, mettre en valeur le talent des bijoutiers guinéens. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.